Alors je me suis dit, moi pour moi c'est une opportunité parce que... Ah, elle est là. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Actuellement, Sud-Ouest Détection fait des remises énormes sur certains détecteurs. En plus de ça, il vous fait bénéficier de 5% sur l'ensemble de la boutique, même sur ce qui est en promo ou déjà remisé. Voilà, bien sûr, avec le code DIDIER33, je vous mettrai tout ça en description. Alors, voilà Noël, pourquoi pas en profiter, ça peut être une idée de cadeau. Voilà, je vous remercie, merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Bon, un son correct, comme vous avez pu le constater. Voilà, je ne sais pas. Un plomb avec un numéro, tiens. C'est curieux ça, je ne connais pas. Ah, intéressant. Voilà un son 32, très net, très aigu. J'ai fait un trou de 20-22 cm, on voit la motte. Et je l'ai vu, normalement c'est une rondelle, et je ne le vois plus. Alors, on va reprendre le pinpointer. Elle est là. Voilà, la petite monnaie. Ah. Une semeuse. Alors, 1916, bon, apparemment, ça serait une monnaie en argent. Voilà, je vous lis profond quand même. Ici, avec un son nickel. Bon, bien, bon son entre 20 et 27. Assez profond. Bon, ben voilà, le trou est fait. En fait, c'est pas très profond. Un embout de tube, c'est pas le premier que je trouve ici. Voilà l'endroit très propre. Une petite autorisation d'un particulier en fait. Un bon son, 19-24, assez profond, avec un peu de négatif, mais je vais quand même creuser voir. Bon, ben voilà, le trou est fait. Ah ben, je la vois. Une petite monnaie. Un peu abîmé quand même. Hein. Le son était joli, mais pas trop net. Voilà. Voilà, très bon son. J'ai fait un trou de 20 cm. J'ai creusé, par contre, j'ai creusé très large. Exprès, et elle est là. Je l'ai vue.
Voilà, première petite monnaie. Un peu fine, mais bon. Allez, à la suivante découverte. Bon, oui, si je vais creuser. C'est sorti un peu de vent. Bon, c'est quoi ça? Un bout de métal quelconque. Bon, ben là, vous allez vous constater qu'il y a un bruit, un son très fort, très aigu, très large. Bon, là il est bien sorti. Ah, ça a l'air d'être... c'est un bout de zinc. C'est pour ça que ça sonnait... C'est pour ça que ça sonnait très large. Ah ouais, avec... ouais, du zinc. Voilà. Voilà, j'avais un très bon son à 18 et je l'ai vu. Alors, voyons voir. Voilà. Alors ici on voit bien que c'est des terrains inondables. On n'est pas dans les marais mais pas loin. Et bon, c'est inondable, c'est pour ça que la terre est un peu comme ça. Alors, est-ce que c'est de bonne augure? Bon, on va la laisser pareil, mais ça paraît lisse. Je dirais que l'eau, ça conserve pas. Bon,
j'ai un son qui n'est pas trop mal, je vais creuser. Bon ben voilà, j'ai fait un très gros trou, je fais toujours un gros trou large, ça m'évite de tout recommencer. Donc il est là. Ici, pas très profond en fait. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il m'a fait souffrir celui-là. Alors, je crois que c'est un plomb de sac. C'est bien un plomb de sac. En fait, je pensais qu'il était très profond. Il devait être, j'ai fait un trou de 30 cm de profondeur. Il était à quoi, 10 cm. J'ai un très bon son. On va faire un gros trou. Je crois qu'il était très profond. Il y a la racine là. Alors, bon, une plaque, ça sonnait trop bien, dommage. Ça sonnait pas trop mal,
mais avec un peu de négatif. Quand je l'ai là, maintenant je l'ai sorti, il sonne propre et il est là. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être un bouton. Bon, déjà il n'a pas l'air vilain. Il y a quelques petits reliefs à voir après nettoyage. Bon, mais c'est propre. On va creuser voir de suite. Alors, ici. Ça, c'est un petit bouddhique, c'est dégueulasse. Et ça, là, c'est un plan de sac. Il avait ouais, c'est un plan de sac. Bon, enfin, on dirait fortement, mais vous voyez l'inscription là. Ouais, il avait le drôle de bouille, mais enfin bon. Bon, ben voilà. Bon, ben pour la petite histoire, en me baladant avec ma femme, j'arrive de là-bas. Là, il y a une rue qui fait partie de la commune, et là, c'est le petit bois qui donne à la commune. Et ici là, à ce niveau là, je vois un camion avec un monsieur, je discute un petit peu, je lui demande au culot s'il est propriétaire, il me dit que oui, puis de fil en aiguille, je lui dis que je suis détectoriste et si ça l'embête pas que je détecte sur son terrain. Il m'a dit oui, sans problème. Alors je me suis dit, moi pour moi c'est une opportunité parce que c'était des ronces. Alors ils ont tout nettoyé. Et je me dis, du fait qu'il y a eu longtemps des ronces, personne n'est passé avant moi. Bon,